Importe où nous allons, l'essentiel est d'être avec vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité. Présentation ce jeudi dans la ville de Goma d'une bande de présumés criminels, parmi lesquels trois militaires et deux Wazalendo. Ces derniers sont accusés d'être à l'origine de la crise sécuritaire dans ces coins de la République démocratique du Congo. Quatre personnes ont trouvé la mort suite au déraillement d'un train sur la route Kisangani-Ubundu en province de la Tchopo. Les autorités locales avancent les raisons de l'état vétuste de la voirie ferrée datant de l'époque coloniale. Une fois de plus, merci de nous choisir. Démarrons ce journal par cette information. Sachez qu'avant l'inauguration de l'ambassade de l'Ukraine à Kinshasa, le représentant spécial ukrainien pour le Moyen-Orient et l'Afrique a échangé mercredi dernier avec le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur notamment la coopération militaire et technique entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine. Suivez. L'objectif principal, si vous voulez, de cette visite et surtout de la visite de Monsieur Son Excellence, Monsieur Soupe, le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, c'est bien sûr l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa. Comme je dis toujours, vraiment, nous avons perdu malheureusement beaucoup de temps, donc le temps est venu de rattraper ce temps perdu, quoi, si vous pouvez dire. Donc l'objectif, c'est certainement d'ouvrir cette si vous voulez, une nouvelle page dans nos relations bilatérales, et puis voilà cette page de nos relations comprend pas tout simplement le dialogue politique, économique, commercial, mais également bien sûr la coopération qui est devenue déjà traditionnelle. Je parle de la coopération militaire et technique certainement, puisqu'on se connaît depuis des dizaines d'années, quoi, depuis des années 70, si vous voulez. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc on se connaît très bien. Bon, ben voilà, on a fait une sorte de contour, donc on a vu, on a passé tous les horizons de notre coopération future. Il y a certainement des choses intéressantes à discuter. Donc, ce que je peux vous dire, il y a deux domaines prometteurs à se développer. Et c'est au développement de tout ça, de ces projets prometteurs, certainement que l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa, certainement, va donner une grande impulsion. Donc, j'espère bien que ça va aller à partir même d'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui, cet après-midi à 15h, nous avons le plaisir de vivre notre ambassade. Nous avons vraiment perdu beaucoup de temps dans nos relations bilatérales. Après avoir rencontré le chef de la diplomatie congolaise, le ministre belge des Affaires étrangères s'est rendu pour discuter avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso-Kodia. Au menu de leurs échanges, la levée du moratoire sur la peine des morts qui est une inquiétude pour la Belgique. Suivez. En visite de travail en République démocratique du Congo, la chef de la diplomatie belge, Adja Labib, a exprimé ce mercredi 10 avril ses inquiétudes en rapport avec la levée du moratoire sur la peine de mort auprès du président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement. Brièvement, nous avons eu un excellent échange et j'ai tout d'abord félicité Monsieur le Président pour sa réélection. Et nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout. À son tour, le numéro 1 du bureau d'âge, Christophe Mboso, a donné la raison qui a poussé la RDC à rétablir la peine des morts.
nous avons interdit à l'époque le moratoire. On a suspendu la peine de mort, mais nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduit à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres et je crois que nous étions obligés, devant les circonstances de la gravité de la situation, de revenir en tout cas sur la peine de mort. Il suffit de noter que cette question a suscité un débat entre Congolais ainsi qu'entre la République démocratique du Congo et ses partenaires qui expriment leur désapprobation quant à ces. Rendons-nous cette fois-ci en province. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, a visité les ponts Ovoa et Lyon, le chef-lieu de ce territoire de l'agglomération d'Ariwara. Cet ouvrage réhabilité est un soulagement pour la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans ces reportages. En mission d'évaluation de la situation administrative, sécuritaire et opérationnelle dans les territoires d'Arou, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, est arrivé ce mardi 9 avril 2024 dans les territoires d'Arou. Après les honneurs militaires, les cortèges du commandant des opérations militaires sont rendus au chef-lieu du territoire d'Arou, où le premier citoyen de la province a appelé la population à barrer la route à toute entreprise criminelle en vue de développer cette partie de la République. Pour pérenniser les acquis de la paix et le lent des développements observés en Ituri, le gouverneur Luboya a promis le renforcement des effectifs militaires aux frontières avant de transmettre les remerciements du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, aux populations pour la culture de paix et l'amour du travail manifesté. Chef de l'État à Esbisinga Boye. J'avais promis que après les élections, akoyawa yemoko. Comme à l'accoutumée, le message de l'autorité provinciale a trouvé un écho favorable au sein de la notabilité locale. Militaire à Kosakate, militaire à Zalimutu à Kosala. Ma personne ne voulait pas. Rappelons que c'est la troisième fois que les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, est en mission d'itinérance dans le territoire d'Arou. Celui-ci les conduira à Mbokolo, Djalassiga et jusqu'à Kengezibaz, à la frontière avec le Soudan du Sud, en vue d'apporter les solutions adéquates aux problèmes transfrontaliers. En parlant de la course du gouvernorat de la ville, province de Kinshasa qui s'annonce dans quelques jours, du côté de la classe politique de l'opposition, l'acteur politique Simon Lifeta précise que les Kinois ont soif de voir un nouveau gouverneur à la tête de la ville car il y a une mauvaise gestion de la mégapole marquée par l'insalubrité généralisée, le délabrement avancé des routes et bien d'autres. Il est au micro de votre équipe rédactionnelle. Le problème des élections au niveau de la ville de Kinshasa, à mon humble avis, je pense que nous d'abord, moi, en tant que Kinois, nous avons soif de voir à la tête de la ville un gouverneur. Parce que à ce moment, la ville est très, très, très mal gérée. Rien que celui qui a laissé la ville avec des immondices presque partout, l'insécurité de la ville presque partout, à Kinshasa, il n'y a même pas moyen de circuler, à Makala, non plus de mettre les pieds là-bas, à Kingabwa, chez moi, ça pose des sérieux problèmes. Mais tous ces gens-là qui sont candidats au niveau de la ville de Kinshasa comme candidat gouverneur, à commencer par les camarades de Daniel Mbumba pour ne pas faire sa publicité ici, et tous ces gens-là n'incarnent pas de l'espoir au profit des Kinois. Vous voyez un peu, bon, à la mesure, moi je ne les condamne pas ou je n'ai pas vraiment de problèmes avec eux, mais c'est plutôt avec les régimes Tshisekedi. Le régime de M. Tshisekedi nous a donné des élections où nous avons vu des élus nommés et non des élus élus démocratiquement par le peuple. Déjà, lorsque nous avons des élus qui sont des fruits de la corruption,
Et vous allez aussi vous rendre compte que ces gens-là vont nous donner des dirigeants issus de la corruption. Vous voyez un peu, or si tout commence mal, ça va aussi finir mal. Et c'est de là vraiment, nous, moi personnellement, étant que Kinoa, je pense que nous devons prier Dieu, nous devons vraiment beaucoup plus prier Dieu pour que ces derniers puissent au moins changer la mentalité ou soit les intentions de tous ces gens-là. Parce que tout commence d'abord par les électeurs. Nous apprenons que les candidats ont séquestré certains candidats députés et provinciaux et ils ont même donné en nature de biens, de parcelles, de voitures, de jupes aux élus provinciaux. Restons dans ces chapitres. L'Assemblée provinciale de Kinshasa en élection de membres du bureau définitif prévu pour la date du 18 avril prochain dans un communiqué officiel publié par le président du bureau provisoire de cet organe délibérant dans laquelle les candidats ont déjà déposé leur candidature qui devront être examinées le jeudi 11 avril dernier avant toute validation. Voici ces commentaires de Corinne Kadoulou. Élection définitive des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En effet, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, continue avec le processus électoral qui comprend plusieurs autres étapes, entre autres l'élection indirecte qui s'est faite par les élus du peuple qui vont devoir élire les membres composants du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Il s'est noté que les candidats concernés par cette élection devraient déposer leur candidature ce mercredi 10 avril, auquel le bureau sera ouvert de 8h à 18h heure locale. Cependant, toutes les candidatures seront examinées avant qu'elles ne soient validées. Ensuite, suivra l'étape de la publication de candidats validés et seront affichés les vendredis 12 avril de cette semaine. Par ailleurs, la journée du samedi 13 avril est réservée aux dossiers de recours et leur dépôt, dont la liste définitive des candidats seront publiées le lundi 15 avril. Signalant que la campagne électorale pour cette élection de membres du bureau provincial est prévue pour le mardi 16 avril, ce qui permettra aux candidats de défendre leur motivation au cours d'une séance plénière. En définitive, pour la date du 18 avril, la plénière sera convoquée pour les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et les membres élus du bureau définitif vont prononcer un discours et sera marqué par la clôture de la session d'inauguration. D'un dossier à un autre, Moïse Joseph Kambulu, l'un des candidats à la course de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs réhabilités par la Cour d'appel du Kasaï central, faisant office de la Cour administrative après avoir été écarté par la CENI. C'était le mercredi 10 avril dernier que l'arrêt a été rendu public, ce qui a provoqué une grande joie de la population ainsi que les élus provinciaux dans cette partie du pays. Patrick John Mukengeshai nous en dit plus. L'un des plus grands challengers de John Kabeya Chikayi, gouverneur sortant et candidat à sa propre succession pour les comptes de l'UDPS, le candidat Moïse Joseph Kambulu a été réhabilité et par la cour d'appel du Kasaï central, faisant office de la cour administrative. Ce que beaucoup de gens ne croyaient pas. Ces décisions, selon la population du Kasaï central, marquent une avancée significative par rapport à l'indépendance de la justice congolaise. Faisant office de la Cour administrative d'appel, statuant en matière de contentieux des candidatures, le ministère public entendu en son avis déclare la présente requête recevable et fondée. Dit en conséquence, la candidature de M. Kambulu Konko Joseph Moïse valable. Après que cet arrêt soit rendu public, les réactions n'ont pas tardé. Surtout, la joie de la population qui a été manifestée et par rapport à cet arrêt de la cour. À ce jour, je suis l'homme le plus heureux. Je suis natif du Kasaï central. J'ai compris que la cour avait saisi la balle au bon pour remettre l'équilibre et retourner sur la liste de candidature, mon candidat, Monsieur Kambulu Konko Moïse. Comme son prénom le dit, il est Moïse et nous nous lançons dans la bataille.
nous venons de vivre les réalités, raison pour laquelle nous saisissons de cette opportunité pour saluer la cour d'appel de Kananga parce qu'ils ont chassé la peur. Notez qu'ils sont au total 8 candidats, dont 3 femmes et 5 hommes, à cette course à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province Kasaï centrale. Quel est meilleur ? L'emporte. Autre chose dans ce journal, toutes les femmes de la République démocratique du Congo invitées à soutenir de vive voix la chef de l'équipe gouvernementale Judith Suminwa Tuluka. Pour sa part, l'actrice politique Denise Koupa-Lisungi sensibilise toutes les femmes du pays et affirme qu'il est temps que les femmes congolaises restent unanimes et apportent leur appui indéfectible à la nouvelle chef du gouvernement, tout en interpellant la patronne de l'équipe gouvernementale à promouvoir la masculinité positive. Il est au micro de Patrick John Mukengeshai. Et je vais encore recommander encore autre chose aux différentes femmes de la République démocratique du Congo. Soutenons-nous vivants, comme on dit, c'est un adage. Nous devons nous soutenir, nous, les femmes, entre nous. Parce que la femme, c'est une force. La femme, c'est une lumière. Aujourd'hui, on a une première ministre qui est une dame. Nous devons quand même nous unir tout autour d'elle, la porter notre main forte, afin qu'elle puisse mener sa mission bien. Alors, aujourd'hui, moi, en tant que présidente de la Fondation FDKL, je porte déjà mon soutien total et puis indéfectible à notre première ministre, Madame Judith Tuluka. Vous méritez et vous faites notre fierté. Et là, je vais vous recommander à ce que vous puissiez aussi faire la différence. Parce qu'avant, on a eu des hommes. Et après, des hommes. Mais aujourd'hui, il y a une femme. Faites bien le travail, soyez sélective, surtout pendant votre formation du gouvernement. Ayez aussi le cœur ou bien l'amour de choisir aussi les femmes. Parce que nous, les femmes, nous faisons aussi la politique plus que les hommes. Ce que je vais vous recommander. Revenons sur l'évolution du tableau de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Présentation ce jeudi 11 avril 2024 dans la ville de Goma par la mairie d'une bande de présumés criminels, dont 3 militaires et 2 Wazalendo, accusés d'être à l'origine de l'insécurité grandissante dans la partie orientale du pays. Les auteurs du braquage ayant coûté la vie à des ville le mercredi dernier à l'entrée présidentielle et même le meurtrier des 3 jeunes à Majengo sont déjà arrêtés, précise le commissaire supérieur principal. Regardez. Oh, baza na mabuko na biso baza déjà misat. Balongola ki be bateni na lopango ya moto X kingani na ba arme na ba effet militaire etikala ki wana. Et nous avons tout récupéré et Totiaki Maboko na Babominwana Bazana Maboko ya justice pour enquête approfondie et justice Nabiso et pour ça là, selon notre souhait, audience publique pour que Botenyoso à l'angle de la dossier évolution du dossier. Nicolas, nous avons un phénomène Wazalen, nous avons un désespoir, nous avons un bagan. Le prix est contre ma Wazalen, le Sengi, gestion de la Bandekoana et Zala. Vraiment mieux encadré. Voyez par mouvement, il y a policiers, il y a soldats, la situation d'exercice n'a rien. Parce qu'il faut contrôler les munitions à Zanango, Mondo qui est à Zanango, la mission Nine. Nous sommes à Tolobela qui est à Kati, le Conseil provincial de sécurité. Prenons cette nouvelle en bref. Les agences du gouvernement américain œuvrant en République démocratique du Congo, impliquées dans le plan présidentiel des États-Unis d'Amérique de lutte contre le VIH-Sida, notamment l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international, le Bureau Santé intégré de l'USAID, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ainsi que le programme de santé intégré
intégrée note les avancées significatives réalisées dans le secteur sanitaire en République démocratique du Congo, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida. D'un chapitre à un autre, 4 morts sur place, dont une femme et 3 hommes. C'est le bilan du déraillement d'un train de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, le mercredi 10 avril dernier sur la route Kisangani-Ubundu dans la province de la Tchopo. Selon les autorités locales, l'état vétuste de la voie ferrée serait à la base de cet accident. Suivez. Cette voie ferrée entre cet axe reste l'un des moyens de transport le plus efficace. Pourtant, son état vétuste reste à la base de plusieurs accidents mortels, d'ailleurs datant de l'époque coloniale. Ce mercredi 10 avril 2024, sur la route Kisangani-Ibundu, fait des morts, dont une femme et 3 hommes. Selon les autorités locales, l'état du rail est à la base de beaucoup d'accidents mortels. Cette voie ferrée entre Ubundu et la ville de Kisangani reste l'unique voie qui met en communication efficace les deux contrées. La route, elle, est impraticable par rapport à l'insécurité dans cette partie du pays, la voie fluviale non navigable. Abordons cette fois-ci la fin du Ramadan dans le monde et particulièrement en République démocratique du Congo, bien avant la clôture de ces précieux moments fidèles à leur coutume. Le musulman de la mosquée Sitas se sont réunis en 27e nuit du Ramadan pour implorer la miséricorde d'Allah sur la RDC et ses dirigeants. À cette occasion, l'imam Mustapha Kupukupa a réagi au micro de Minouchka Yangele et de Nok Mbala. C'est la nuit du destin, en 27e nuit du Ramadan. Comme des bons serviteurs, ils sont venus nombreux répondre à cette invitation solennelle. Clôturer la lecture du Coran et chuter par les doigts, dans le but d'implorer la miséricorde d'Allah sur la nation, les dirigeants et sur tout un chacun. L'imam Mustapha Kapukula explique. 27e nuit à moi et à Ramadan est une nuit impaire. Na 4e mois à Ramadan, nous allons dans Boutou Moko. Boutou Wana est une valeur pour les 1000 mois. Ce qui veut dire, adoration au Yokosala, na Boutou Wana, c'est comme si on adorait Nzambe pendant 1000 mois. Et 1000 mois est 83 ans. Mosquée Nabisso, mosquée Sitas. La tradition est mosquée Nabisso, ceux qui te bannent Karem Sika, donc Ebanelia Ramadan, si 27e nuit te clôtura ta Coran. Donc l'élo, la carte mosquée Nabisso, te clôtura qui Coran. Dans ceux qui potent ni Coran, pour bannir Ebanelia, pour bannir la première sourate, premier chapitre à Coran, si la dernière chapitre à Coran, ceux qui vous silencient, vous singuent Zambé Coran. Vous singuez Zambé, vous adressez Zambé à l'imbissa Masoum, à Yoke la Bissou Mawa, à Nzibi la Bissou Adoration et à Jeanne. Il sied à signaler que c'est une soirée des grandes décisions qui se prennent sur le changement de vie de tout croyant. Inch'Allah. Prenons cette fois-ci le carnet consacré aux valeurs nutritives. Que savez-vous de la citronnelle? Découvrons tous le bienfait de ses fruits. La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Cymbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusé dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont les plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de reins, elle est anti-inflammatoire et anti-douleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques.
Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ses chaussures pour éviter le mauvais odeur. Et enfin, le bulletin météorologique. Retenez que ce vendredi, le ciel sera gris et fortement nuagé. La température sera des 23 degrés Celsius, dominée par une température ressentie plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 5 km par heure. Mais à l'après-midi, la pluie sera au rendez-vous. La température atteindra 32 degrés Celsius avec une température ressentie plus chaude, soit 35 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel. La température retombera vers 24 degrés Celsius avec la température ressentie plus chaude, soit 26 degrés Celsius. Fin de cette session d'information sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de nous quitter. Voici le rappel des titres. Présentation ce jeudi dans la ville de Goma d'une bande de présumés criminels, parmi lesquels 3 militaires et 2 Oazalendo. Ces derniers sont accusés d'être à l'origine de la crise sécuritaire dans ces coins de la République démocratatique du Congo. 4 personnes ont trouvé la mort suite au déraillement d'un train sur la route Kisangani-Ubundu en province de la Tchopo. Les autorités locales avancent les raisons de l'état vétuste de la voirie ferrée datant de l'époque coloniale. Kinartu Télévision reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer à temps réel et 24 heures sur 24. La couleur de la peau ne détermine point la valeur des hommes. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Excellent week-end chez vous.